simplement rappeler que CPLEC intervient dans trois domaines d'activité chez l'électronicien, donc sur le process, fiabilisation du process d'assemblage de cartes électroniques. Derrière, on travaille aussi sur les zones à risque. Alors, ça tombe bien dans le sens où quand Jean-Pierre Douchy vous met en place des vernis, solvants ou autres, toutes ces choses-là, il faut un peu les stocker. Eh bien, nous, on est là pour informer, avertir, gérer ces zones à risque. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle l'analyse et le traitement de la pollution générée par le brasage et par des applications laser. Quand nos électroniciens font du marquage, du gravage laser sur PCB composants, on va gérer cet ensemble. Alors, on est là, nous, pour accompagner les industriels sur le long terme. Process d'assemblage de cartes électroniques. Nos principes sont diagnostic sur site, intervention sur site, diagnostic, essayer avec notre client d'identifier vraiment la problématique. Derrière, proposition de solutions qui vont être liées sur soit des expertises un peu plus approfondies, soit des formations personnalisées, ou aussi de la solution technique par la mise en place d'équipements et avec un accompagnement dans le temps. On est très orienté sur la sécurité du collaborateur, l'environnement du poste de travail. Donc, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. On en a parlé tout à l'heure. Donc, tout ce qui est identification des problématiques, zone à risque. On travaille beaucoup sur le document unique. Et puis, pour la santé, traitement des particules, fumées, composés organiques volatiles, gaz, etc., mais liés à l'environnement de travail. Donc, on propose un accompagnement dans le temps. Nos trois piliers, c'est expertise, formation, solutions techniques, avec un point important qui est chez nous l'obligation de résultat. On est là pour accompagner le client sur ses problématiques, pour l'aider à résoudre ses problèmes. On est là dans le temps et c'est clair qu'on va s'engager. Si une formation ne répond pas à la demande, si un produit n'est pas adapté, eh bien, on remet tout en place. Donc, quelques thématiques ici, qualification d'alliage. On a des formations qualifiantes, ESD, IPC, sur différents niveaux. On travaille aussi sur des formations un peu transverses, conduite du changement. On l'a vu aussi avec les problématiques qu'on a pu rencontrer. C'est tout ce qui est la remise en place d'une organisation avec des contraintes différentes, 5S, etc. Et puis derrière, toutes des solutions techniques, produits, équipements, brassage, traçabilité. Donc, par rapport à ce qu'on sait faire au niveau de l'électronique, quelquefois, vous allez aussi nous rencontrer dans d'autres domaines, puisqu'on intervient dans des domaines de cosmétiques, par exemple, pour tout ce qui est lié au marquage, gravage laser sur différents produits. On intervient aussi dans des entreprises un peu plus lourdes, comme chez Vicat, où on les accompagne sur la mise en place de tout ce qui est consignation des énergies dangereuses avec tous les processus, les fiches d'instruction. Vas-y, Mélissa, voilà. Alors, le point aussi important, c'est que semaine dernière, on a fait intervenir S2P. Cette semaine, on travaille avec AB Chimie. Pourquoi? Parce que ce sont des partenaires importants du réseau PC2A, des partenaires actifs, un réseau qui regroupe des donneurs d'ordre, des sous-traitants, des laboratoires. Donc, pour nous, c'est très important. De mettre en avant ces partenaires, de se faire connaître, sachant qu'on est tous orientés vers un seul objectif aujourd'hui, qui est vraiment mettre en avant et faire bouger ce monde de l'électronique. Donc, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Jean-Pierre, qui lui va intervenir dans son domaine d'expertise propre. Merci. Merci Jean-Pierre, merci. Du coup, je vais rendre le partage d'écran à Jean-Pierre Douchy. Alors, Jean-Pierre, ton micro, voilà, parfait, si tu peux le réactiver. Donc là, j'ai arrêté mon partage et je te laisse lancer le tien, du coup.
avec le bon écran que tu souhaites partager. Et si tu veux faciliter la connexion à Internet, si la webcam te prend trop de bande passante, tu peux l'enlever aussi si tu veux. D'accord. Il faut que tu m'actives le partage d'écran, s'il te plaît. Excuse-moi, vas-y, c'est bon. Donc, excusez-moi. Voilà. Ben, merci Jean-Pierre de me... Alors, attends. Ça a marché, tu n'as pas dû cliquer sur partager. Alors, attends. Ah. Moi, du moins, j'ai... Attends, je reviens. Il faut bien cliquer, choisir l'écran et après mettre en bas le partager. Ah oui, excuse-moi. Hop. Voilà. Et là, donc là, je vois une fenêtre ouvrir Zoom Meetings. Là, c'est bon ou pas? Là, c'est bon. Là, j'ai ton PowerPoint de présentation. D'accord. Merci Mélissa. C'est bon? Merci Mélissa et merci Jean-Pierre de m'offrir cette tribune aujourd'hui. Merci à tous les participants de vous être rendus disponibles pour cette présentation sur les vernis de tropicalisation. Alors, je ne vais pas faire quelques slides sur la présentation de l'entreprise, mais je vais plutôt montrer une petite vidéo qui va résumer un petit peu ce qu'on est et ce que l'on fait. Donc, AB Chimie, c'est une jeune entreprise encore, puisqu'on a 15 ans d'existence. On est spécialisé dans la protection des cartes électroniques en fine et forte épaisseur. Donc, on est qualifié ISO 9001, ISO 14001, puisque le côté environnement, c'est quelque chose d'important aussi chez nous. Même si on est dans la chimie, on peut faire des efforts pour être le moins impactant possible. Donc là, bon, vous avez vu un petit peu les équipements de mélange et de remplissage de nos produits. Donc, on est connu aujourd'hui sur le marché sur tout ce qui est vernis de tropicalisation, donc c'est-à-dire la protection en fine couche, même si on fournit aussi beaucoup de protection en couche épaisse par des résines époxy, polyuréthane ou silicone. Donc, les produits, tout ce qui est vernis, produits de nettoyage, sont des produits qui sont développés chez nous, que l'on valide sur des process machines identiques à ce que vous avez en règle générale chez vous. Donc, si on avait une machine à Semtec, donc ce sont des équipements de dépôt que l'on trouve le plus couramment en France, on a un laboratoire climatique qui nous permet de tester, de faire différents tests climatiques qui répondent aux exigences du milieu électronique. Aujourd'hui, on fournit nos produits dans environ une quarantaine de pays. Voilà. Alors, je vais revenir sur la présentation. Si j'y arrive, voilà. Où c'est qu'il y a ? Voilà. Donc la présentation d'aujourd'hui, donc c'est qu'est-ce qu'un conformal coating. Donc on va voir les applications typiques, les risques et les conséquences que la carte électronique va affronter, les différentes thèses de qualification qui peuvent être demandées par les clients pour s'assurer effectivement de la bonne protection qu'ils appliquent sur les cartes. On présentera juste trois types de conformal coating qui sont les plus courants, hein, les vernis acryliques, les vernis silicone et les vernis UV. Nous verrons ensuite les méthodes d'application et puis quelques aspects techniques importants comme le dévernissage. Alors, les vernis, ce sont des liquides qui sont formulés pour protéger les cartes électroniques. Donc, ce sont donc des produits sous forme liquide que l'on va appliquer avec différents moyens qu'on verra tout à l'heure,
pour déposer une fine couche de produit qui va assurer, entre guillemets, l'étanchéité de la carte par rapport à l'environnement dans lequel elle va vivre. Voilà. Le but, c'est d'améliorer la durée de vie et la fiabilité du sous-ensemble électronique pour éviter des pannes et des rappels pour réparation dans vos entreprises. Ça assure aussi, alors jusqu'à récemment, on utilisait les vernis pour se protéger des environnements humides, mais aujourd'hui, on commence à avoir des nouvelles applications qui ne sont pas soumises à ces environnements humides, mais du fait de la miniaturisation de l'électronique, on a des pistes qui sont de plus en plus rapprochées et on commence à voir apparaître des problèmes de courant de surface. Et donc, pour éviter les courts-circuits dus à ces courants de surface, on vient appliquer un vernis, ce qui permet d'augmenter, en fait, artificiellement, la distance entre les pistes. Et donc, ça, on peut avoir cet effet-là, même si on n'est pas soumis à une humidité importante. Les applications, on les trouve dans un peu tout domaine, que ce soit l'automobile, le militaire, l'aéronautique, le médical, et surtout le milieu industriel. Aujourd'hui, nous, 80% on va dire, de notre activité, c'est dans le milieu industriel. On est un petit peu dans l'automotive et un peu dans l'aéronautique, avec des gens comme Airbus, Zodiac, etc. Donc, on va se protéger contre quoi ? Ça peut être des produits chimiques environnement sous forme de gaz, ça peut être de l'ammoniac, par exemple, dans la gestion. Un exemple récent qu'on a pu avoir, c'était la protection des températures et des éclairages dans une porcherie, alors que les animaux produisent de l'ammoniac et il faut que la carte électronique résiste à des vapeurs d'ammoniac. Donc, ça peut être ça, ça peut être... résister à du liquide de frein, à du Coca-Cola, à tout ce qu'on peut trouver comme produits divers et variés lors de l'utilisation d'une carte électronique. Mais principalement, dans 90% des cas, ça reste l'humidité, la condensation qui va se créer dès qu'on a des changements de température. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la grande majorité des applications, c'est des applications outdoor, donc dans tout ce qui est véhicule, dans des horodateurs, en fait tout ce qui peut être soumis à des variations de température rapides qui provoquent une condensation sur la carte et qui va mettre la carte en défaut si elle n'est pas protégée. Si la carte n'est pas protégée, le risque c'est d'avoir un développement de dendrite qui est un démarrage de corrosion et la dendrite va continuer à s'épanouir pour rejoindre la piste d'à côté et créer un court-circuit qui créera un défaut sur la carte, qui demandera donc la réparation de la carte. Les tests de qualification. Si on est là, je vais vous montrer une petite vidéo quand même sur pourquoi on utilise un conformal coating. C'est plus parlant qu'un discours. Alors, vous voyez, sur cette carte est appliqué un conformal coating. Alors, sur tous nos conformal coating, on a des traceurs fluorescents pour bien vérifier sa présence. Donc, ici, on a l'exemple d'un véhicule. Donc, toutes les cartes dans les véhicules, que ce soit à l'intérieur de l'habitacle ou dans la partie moteur, sont protégées. Là, on voit comment on peut appliquer un conformal coating. Ça va reprendre un petit peu. Alors, j'attire votre attention. Allez bien sur cette vidéo au pistolet. Donc, la personne a fait un passage, fait un deuxième passage. Un troisième passage. Et va faire un quatrième. Et vous notez qu'entre les deux cartes, il y a une petite plaque métallique. Alors, pour avoir une épaisseur de 30, pour avoir une bonne protection, il faut être entre 25 et 50 microns. Et faire quatre couches croisées, ça permet d'atteindre environ 30 à 40 microns. Alors bien sûr, suivant le pistolet que vous avez, après il y a différents éléments qui viennent rentrer en compte, parce qu'il est important que vous ayez une épaisseur définie, sinon, excusez-moi,
aucun souci. Sinon, vous ne protégerez pas votre carte. Il faut savoir que si vous déposez 15 microns secs sur votre carte, c'est comme si vous ne faisiez pas de protection. Donc, veillez bien toujours à être entre 25 et 50 microns pour avoir une bonne protection de votre carte. Alors, la petite plaque métallique qui se trouvait entre les deux cartes qui étaient vernies au pistolet, elle sert justement à pouvoir mesurer exactement l'épaisseur déposée avec un système de courant de Foucault qui vous donnera, qui vous permet de vous assurer de cette épaisseur. Donc, les tests de qualification qui peuvent être demandés, alors des tests d'humidité, tests de brouillard salin, des tests CIR, donc Surface Insulation Resistance, des tests de variation rapide de température, c'est le cas par exemple des avions quand ils décollent ou qu'ils atterrissent, des tests de cross-cut pour vérifier l'adhérence, des tests de résistance chimique, la réparabilité peut être des choses qui peuvent être importantes dans certains domaines, dans d'autres on préfère mettre la carte à la poubelle et en mettre une autre pour la remplacer. Les tests Bono, alors ça c'est un test très complet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça réunit en fait le CIR test. C'est comme un CIR test, mais en fait sur des coupons particuliers sur lesquels on a mis toutes les chimies qu'on va retrouver sur notre carte, c'est-à-dire des résidus de flux de souillure, des résidus éventuellement de crème à braser, le vernis, parce que séparément chacun de ces matériaux peut très bien passer un test CIR ou un test Bono, mais quand on les met ensemble, parfois on a des surprises parce qu'il y a des incompatibilités chimiques qui se créent et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et qu'il y a une corrosion qui se crée. Le test Bono, il permet vraiment de vérifier la bonne compatibilité des différents produits chimiques qui vont rester sur la carte durant toute sa vie, et ça permet d'être sûr de la fiabilité donc, de l'ensemble. Des tests diélectriques, résistivité, dans l'automobile, ils font des tests de poussière et éventuellement des tests de résistance au gaz. Ici un exemple de test d'humidité environnemental, donc 85 degrés, 95%. Alors, c'est juste un exemple. Suivant les normes, on a des tests qui sont différents. Et chaque entreprise peut avoir ses propres tests. Test de résistance au milieu salin, donc pour toutes les applications qu'on pourra retrouver en bord de mer. Ici, on voit le CIR test. Le test de variation rapide de température. Donc, c'est oui, une dizaine de degrés par minute. Les tests de cross-cut. Alors, une petite précision sur le test de cross-cut. Donc, on fait toujours un cross-cut sur une surface du PCB où il n'y a pas de tracks, de pistes. C'est important parce que ça peut générer un défaut sur le test. Et ce qu'on analyse, ce n'est pas cette partie extérieure, mais c'est vraiment le quadrillage. Donc, ça, c'est issu de la norme ISO 24-09. Donc, quand on a fait ce quadrillage donc avec un peigne normalisé, on va appliquer un scotch qui est normalisé aussi. Et on va retirer ce scotch et on va analyser ensuite cette surface, ce quadrillage. Et suivant suivant le pourcentage de particules ou de carrés qui se sont enlevés, ben, on va être classé de 0 à 5, 0 étant un cross-cut parfait. Résistance au solvant, le besoin de réparation, les tests Bono, on en a parlé, et les tests de cyclage thermique et d'humidité, les tests de diélectrique. Alors, des conformal coating, donc vernis tropicalisation, il y en a entre 10 et 15 de nature différente sur le marché. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on va se cantonner aux acryliques, silicone et UV, juste un petit peu leurs avantages, leurs inconvénients, sachant que les vernis acryliques, c'est 90% du marché. Alors, pourquoi ? Alors, dans les vernis, on a des produits de base solvant et des produits qui ne contiennent pas de solvant. Aujourd'hui, les législations évoluent et un jour, on sera amené à ne plus utiliser de solvant pour qu'il n'y ait plus de rejet dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître aujourd'hui des solutions UV qui ne contiennent plus de solvants, ou qu'on voit venir sur le marché des silicones qui ne contiennent pas de solvants non plus.
Et on peut s'apercevoir ici qu'en fait, on utilise toujours les mêmes bases, que ce soit en solvant ou en sans solvant. Alors, les acryliques. Alors, chez AB Chimie, le produit star, c'est la VR80BA, qui est le produit non toxique et qui tient une très grosse part de marché en France et de plus en plus à l'étranger. Le gros avantage des acryliques, d'une façon générale, c'est leur bonne flexibilité. Donc, c'est des produits monocomposants, ils sont faciles à appliquer, faciles à enlever, ils sèchent relativement vite. Alors, on a une température d'utilisation sur ce produit particulier extrêmement large, moins 65, plus 150. Alors, peut-être même plus, on a un client automobile qui a fait des tests jusqu'à 160 récemment. Il peut sécher aussi bien à température ambiante où on peut l'accélérer pour avoir une manipulation plus rapide. Donc, ce qui permet d'avoir un process relativement rapide. Alors, quand on parle de process rapide, on va dire que sur un produit solvanté, il faut compter 20 minutes entre le temps de dépose, la zone flash de désolvatation et le passage dans un four à chaleur modérée. Il y a une bonne adhésion et il a pas mal de qualifications, que ce soit UL ou les qualifications ferroviaires. Les silicones. Alors, il y a différents types de silicone. Ici, c'est deux résines silicone, donc avec des températures variables. On peut voir sur cette résine-là, par contre, on a de la très haute température. Alors, ça permet dans certaines applications de profiter de ces températures extrêmement élevées. Alors, un produit que nous, on ne propose pas aujourd'hui, en tout cas, ce sont les élastomères. Donc, c'est ce que vous connaissez sous les fabricants Dow Corning ou Elkem, anciennement Rhône-Poulenc, qui proposent ce type de produits. Voilà, alors c'est des produits généralement qui permettent de tenir à des hautes températures, qui sont souples, plus souples qu'un acrylique. Par contre, c'est des produits qu'on n'accélère pas ou peu en température, donc ont des process plus longs et des coûts beaucoup plus élevés. Uréthane, on va passer. Ça, c'est un produit baso, on va passer aussi. Les produits UV, alors ça, c'est la nouvelle technologie qui est apparue sur le marché maintenant il y a 8 ans. Donc, les gens, les grosses sociétés, les gros utilisateurs qui commencent à être impactés par les rejets de solvants s'intéressent beaucoup à ces solutions-là. Et à plusieurs titres d'ailleurs. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas de solvant. Mais en plus, on s'aperçoit qu'une polymérisation UV, au lieu des 20 minutes, on considère que, donc quand on considère qu'un process solvant, c'est 20 minutes, un process UV, c'est 2 minutes. Hein, j'inclus bien sûr le temps de dépose, le temps de convoyage, etc. Le temps réel de polymérisation d'un vernis UV, il est inférieur à 1 seconde. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Bon, ce qui fait le paramètre limitant, ce n'est plus le séchage, mais c'est la dépose. C'est des produits qui ne sont pas inflammables, c'est aussi un avantage. Contiennent bien sûr un traceur. Alors, ça a quand même certaines limites. Alors, ce sont des produits dual cure UV plus humidité. Alors, tout ce qui est visible va être polymérisé par les UV. Ce qui ne sera pas polymérisé immédiatement, c'est ce qui aura éventuellement pu fluer en dessous d'un composant, puisqu'il ne recevra pas sa dose UV nécessaire. Et de ce fait-là, on a inclus dans la formulation un deuxième système de polymérisation qui permet de réagir avec l'humidité. Là, ça va prendre plus de temps. Généralement, c'est de l'ordre de 48 à 72 heures. Le produit étant 100% diélectrique, ça ne vous empêche pas d'effectuer tous vos tests, la mise en boîtier, etc. Vous savez que de toute façon, dans le temps, le produit va polymériser. Et ça concerne des quantités extrêmement faibles parce que ça concerne uniquement le fluage qu'il y a pu avoir sous un composant. La grande force d'AB Chimie sur les produits UV, c'est de proposer déjà depuis 5 ans, 7 ans, des produits qui polymérisent non plus avec des lampes mercure, qui elles produisent de l'ozone qu'il faut évacuer, mais on produit aussi des systèmes polymérisants avec des LED. On a des applicatifs depuis plus de 6 ans dans l'automobile où on vient polymériser des vernis UV avec des LED. Le gros avantage des systèmes LED,
c'est qu'on peut, on utilise la lampe uniquement quand on en a besoin pour polymériser le produit sur une lampe mercure. Si on éteint la lampe, il faut attendre une demi-heure qu'elle refroidisse pour pouvoir la rallumer. Donc ça permet d'étendre la durée de vie des systèmes de lampes énormément, d'autant que déjà les LED, c'est une durée de vie d'environ 20 000 heures pour 2000 heures pour une lampe mercure. Bon, ici, il y a deux produits vernis 526-746, mais on fournit aussi des produits plus épais pour venir aider à solidariser des composants, pour faire des dames autour de composants sur lesquels on ne souhaite pas qu'il y ait de fluage. Voilà, c'est ce qu'on peut proposer. Bon. On propose bien sûr des produits annexes, tout ce qui est produit pour enlever les vernis, des diluants, etc. pour les différents produits. Alors, AB Chimie, on s'est fait connaître parce qu'on essaie toujours de proposer des alternatives vertes et on regarde un petit peu chez tous les clients les problèmes qui peuvent être rencontrés. On essaie d'apporter des solutions. Donc, on n'est pas une multinationale, comme nos gros compétiteurs, mais on a l'avantage de pouvoir proposer des solutions sur mesure. Les méthodes d'application. Donc, un vernis, on peut l'appliquer au pinceau, en spray, donc, ou par aérosol, ou au pistolet, excusez-moi, en trempé, ou avec des machines de dépose sélective. L'avantage du pinceau, c'est rapide, il n'y a pas d'investissement. Le gros désavantage, c'est que la dépose est difficile à reproduire, puisque ça dépend de l'opérateur, et sur chaque carte, vous aurez une dépose qui sera différente. La toxicité, les odeurs, puisque généralement, l'opérateur va avoir la tête juste au-dessus de ce qu'il est en train de te protéger, et la génération de bulles due à l'application au pinceau. Pour les applications en spray, donc aérosol ou pistolet, donc je rappelle l'histoire des quatre couches croisées qu'on a pu voir dans la vidéo, c'est extrêmement importante. Si vous n'avez pas assez de résidus secs, donc après évaporation des solvants, vous ne protégez pas votre circuit. Pour les gens qui travaillent en aérosol, faites très attention. Il y a toujours très peu de matière sèche dans un aérosol. C'est entre 10 et 15%. Ça veut dire que si vous devez avoir 50 microns, enfin, on va dire 30 microns, il va falloir déposer 300 microns mouillés, ce qui paraît énorme quand on dépose, quand on applique à l'aérosol. On voit souvent des gens qui appliquent et finalement qui ont trop peu de vernis sec sur la carte et donc en fait, ils ne protègent pas leur carte. Le dipping, donc c'est le trempé, il y a deux type d'équipement qui existe, les équipements où on va faire un trempé vertical ou un trempé horizontal avec des systèmes de protection pour protéger les connecteurs, etc. Pour le trempé vertical, il faut absolument que la carte soit designée pour, c'est-à-dire que tous les composants non étanches et tout ce qui est connectique soient d'un seul côté de la carte. Donc ici, pour ne pas être trempé dans le bain. Les machines de dépose sélective, alors il y a pas mal de... Le plus connu ici en France, c'est Asemtech, mais il y a d'autres fabricants comme PVA, on voit apparaître REM aujourd'hui, différentes autres marques. Quand on travaille sur une ligne de dépose sélective, il y a plusieurs zones. La zone de dépose, il peut y avoir éventuellement une zone de contrôle. La zone d'extraction des solvants, c'est une zone extrêmement importante. Et un four pour accélérer le séchage du produit. La zone la plus importante, à mon sens, celle qui risque de générer le plus de défauts, c'est la zone d'extraction. Souvent, elle est sous-dimensionnée. Il faut bien savoir que pour des raisons de sécurité, quand vous entrez dans un four, normalement, vous ne devez plus avoir de solvant. Parce que si vous entrez un solvant
et vous apportez de la chaleur, vous allez dépasser largement le point d'éclair et il y a un risque d'inflammation. C'est une première chose. La deuxième chose, si les solvants ne sont pas évaporés, vous risquez de former une croûte et d'enfermer en fait du solvant sous la croûte, ce qui fait que vous aurez un produit qui va rester pégueux en sortie de four. Le solvant, lui, finira par sortir, mais vous verrez apparaître des bulles en fait dans le film de vernis. Alors, pour bien extraire les solvants qui sont dans le film de vernis, ce qu'il faut, c'est avoir une aspiration non pas forte, mais douce. Un bon séchage, c'est juste un renouvellement d'air. Alors, dans certaines usines, il n'est pas possible de réguler l'aspiration, puisque c'est une aspiration qui est centrale à l'usine. Par contre, ce qui est toujours possible de faire, pour éviter d'avoir un flux d'air très rapide à la surface du PCB qui vient d'être verni et de créer une croûte, c'est d'augmenter les entrées d'air. Si vous ouvrez le dessous, par exemple, de votre zone flash, de votre zone d'extraction, l'entrée d'air va être plus grande, ça va ralentir la vitesse de l'air à la surface de votre PCB. Puisque l'extracteur, lui, s'il doit extraire 1000 m3, qu'il ait des toutes petites entrées ou des grandes, lui, il extraira 1000 m3. Mais par contre, le flux sera largement ralenti si les entrées d'air sont plus grandes. Comment choisir le conformal coating? En fait, c'est à vous de définir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Alors, ça peut être votre client final, il veut absolument que le produit ait une qualification UL 94V0, par exemple. Bon, ben, ça, vous pouvez pas discuter là-dessus. Ça peut être les tenues en température, ça peut être le besoin de réparabilité. Et en fait, en faisant un petit arbre de choix, alors ici, on a choisi un produit qui soit ou réparable ou pas. Si on n'a pas besoin de réparation, on peut utiliser tous les vernis, vous pouvez imaginer. Si le vernis a besoin d'être réparé facilement, ça va tout de suite limiter le nombre de possibilités. Et rapidement, on va définir le produit le plus adapté à votre process, aussi par rapport à son environnement. Bon, ici, quelques noms de fabricants de machines de dépose sélective. Donc, effectivement, la dépose sélective, ça permet d'avoir un process très rapide, un process en ligne, plus besoin de masquer, plus besoin de démasquer. Par contre, c'est des investissements qui peuvent être très importants. Donc, ces investissements, ça peut limiter l'accès pour les petits sous-traitants. Par contre, on ne protégera pas non plus sous les composants, à part éventuellement les effets capillaires que l'on connaît tous. Pour assurer une bonne adhésion, les PCB doivent être secs. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, parce que tous les sous-traitants électroniques savent que pour ne pas avoir de microbouillage, par exemple, il faut avoir des cartes qui soient bien sèches avant, qui ne contiennent pas d'humidité avant de mettre la crème à braser ou mettre le flux, etc., pour que lorsque l'on passe à la vague ou on passe dans le four de refusion, on n'ait pas des micro-explosions qui créent du microbillage. Mais il faut savoir que c'est, alors pas tout à fait la même chose, mais on a besoin aussi pour les conformal coating d'avoir des circuits qui sont secs. Parce que si vous avez un FR4 qui est plein d'humidité, et l'humidité, le FR4, il est capteur d'humidité, il va se charger à 100% de l'humidité possible en 3 jours. Et si vous êtes plein d'humidité, le risque que vous avez, c'est d'avoir des problèmes d'adhésion. Alors aujourd'hui, dans la plupart des cas, on vernit sur des cartes qui ne sont pas lavées, sur du no-clean. Si on vient rajouter en plus de l'humidité, on multiplie les risques. Donc, si vous êtes en ligne, vous posez vos composants, vous faites la refusion et vous allez tranquillement vers le coating, pas de souci. Mais si vous utilisez votre machine de vernissage une fois par semaine, le vendredi par exemple, et que vous stockez toutes vos cartes pour attendre le vendredi d'avoir un nombre suffisant de cartes à vernir,
Eh bien, dites-vous bien que les cartes faites le lundi, mardi, mercredi, vous avez un risque d'avoir des problèmes d'adhésion sur ces cartes-là parce qu'elles seront pleines d'humidité. Donc, nettoyer et sèche pour les cartes, effectivement, c'est l'idéal. Même si 95% des gens ne nettoient pas les cartes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les militaires qui nettoient, le médical, ça va être à peu près tout. Voilà, pour des raisons de sécurité, l'aéronautique, bien sûr. Voilà. Alors, tout clean. Donc, bon, ben, si effectivement vous ne nettoyez pas, le risque c'est d'avoir des refus de mouillage du vernis qui peuvent être dus à différentes résidus. Ça peut être des traces de doigts, des pollutions silicone, donc, ce qui va vous générer du démouillage et des faibles adhésions. Quand on ne nettoie pas, un risque c'est effectivement de laisser des résidus qui peuvent être corrosifs et de générer des dents d'huître, d'où des corrosions et donc des pannes de circuit. On parlait tout à l'heure de l'épaisseur. Donc ici, je fais un petit rappel là-dessus. En dessous de 15 microns, c'est comme si vous ne faisiez rien. Donc, si vous déposez moins de 15 microns, ben, ne le faites pas, vous ferez des économies. C'est vraiment important d'être entre 25 et 50 microns. Vous pouvez aller au-delà, jusqu'à une centaine de microns, mais pas plus. Parce qu'en fait, si vous allez plus haut, les conformal coatings sont des produits qui sont faits pour être déposés en forte épaisseur et qui peuvent, si vous déposez beaucoup de trop, vous risquez d'avoir des cracks s'il y a des changements rapides de température. Les viscosités générales qu'on peut utiliser donc pour les machines de dépose, c'est en règle générale de l'ordre de 65 centistocs, un petit peu moins sur les machines PVA. On propose à nos clients de leur fournir les produits à la viscosité qu'ils souhaitent. Pour dévernir un vernis de tropicalisation, alors, il y a la méthode chimique, donc on va travailler en plusieurs bains. Alors, chez nous, le produit de dévernissage, qui est aussi un vernis de défluxage, d'ailleurs un produit de défluxage, c'est le SND. Donc on va rester quelques minutes immergé dans le bain. Alors, comme c'est un produit de défluxage à la base, il a d'excellentes compatibilités avec les matières plastiques. Et on va pouvoir donc laisser tremper la carte sans agresser les composants. On vient, à la suite de ce trempage, mettre un coup de brosse dessus pour faire une action mécanique. On vient ensuite rincer une première fois, on rince une deuxième fois et on laisse sécher. Au bout de 2 minutes, votre carte sera sèche. Si jamais des traces blanches apparaissent, ça veut dire que votre dernier bain commence à se charger en vernis. Le vernis, quand on dépose 1 ou 2 microns en très très faible épaisseur, ça fait comme des traces blanches. Dans ce cas-là, il va falloir remplacer le premier bain. Et on va décaler en fait les bains. Le deuxième bain, il ira en troisième. Non, excusez-moi. Le bain du milieu, il viendra en première position. Le troisième bain en deuxième position et remettra un bain neuf à la fin pour éviter de gâcher du produit. Une seconde méthode, c'est le micro-sablage. Alors, ça marche bien. Par contre, on va enlever uniquement le vernis dans les endroits visibles. S'il y a eu un peu de fluage sous un composant, on ne pourra pas l'enlever. C'est une méthode agressive. La SNCF, par exemple, ils sont très adeptes de cette méthode. Par contre, on va pouvoir le pratiquer environ 2 fois sur un circuit. Après, les cartes commencent à être endommagées et on a des risques de fiabilité. Et derrière, il va falloir nettoyer la carte parce que on va retrouver des particules de micro-sablage. Alors, c'est de la rafle de maïs ou des billes plastiques qui sont utilisées un petit peu partout sur la carte. Donc, en conclusion, je dirais que les vernis de tropicalisation, c'est la meilleure façon de protéger et d'améliorer la durée de vie de vos équipements électroniques qui sont soumis à des environnements difficiles. Et j'en profite pour remercier CPELEC qui nous a accueillis aujourd'hui.
Merci Jean-Pierre, merci pour cette présentation. Du coup, donc, s'il y a des questions, donc, il y a le chat qui est à votre disposition voilà, pour poser vos questions. Dans tous les cas, voilà, Jean-Pierre reste à votre disposition pour échanger si besoin, l'équipe CPLEC aussi. Si vous avez une question particulière que vous souhaitez poser à l'oral, vu qu'on n'est pas trop nombreux, je peux vous laisser, si vous voulez, réouvrir votre micro. Sinon, voilà, merci à tous d'avoir participé à ce live. Donc, comme d'habitude, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, avec du coup bah, la playlist en fait, qui recense tous les lives que CPLEC a pu faire. Voilà. Donc, bah, merci à tous. Alors oui, juste, s'il y avait, y a une personne qui s'est connectée sous le nom de iPad, et du coup, je ne sais pas qui c'est. Donc, j'ai essayé d'envoyer un message dans le chat, mais peut-être que la personne n'a pas eu les notifications. Donc, juste voilà, si vous pouviez en fait indiquer votre nom, prénom et votre société pour qu'on puisse savoir. Ah bah, c'est Monsieur Lepel, je crois. Ok. Bon, bah, très bien. Du coup, donc, Jean-Pierre, tu as une question de la part de Mathilde. Bonjour, avec quel produit peut-on nettoyer le PCB, un solvant? Point d'interrogation. Ouais, comme j'en parlais tout à l'heure, un produit qui s'appelle le SND. Donc, c'est un mélange de solvant qui est doux, qui n'agressera pas les composants et qui peut être, bon, comme on l'a vu, aussi utilisé pour le dévernissage, mais au départ, c'est vraiment un produit pour nettoyer les cartes électroniques en basse solvant. Donc, SND. Si Mathilde laisse son adresse email, on pourra lui faire parvenir la fiche technique et la fiche de sécurité. Est-ce que Jean-Pierre, parce qu'on a eu la demande du coup la semaine dernière, est-ce que ton support de présentation est diffusable, ce que tu as présenté ce matin ou pas? Oui, pas de souci. Bon, et bah du coup, est-ce qu'il sera possible de l'avoir? Comme ça, on pourra le faire suivre après aux personnes qui ont participé. Bien sûr. Bon, ok, très bien. Bah, merci. Du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si c'était clair. Voilà. Dans tous les cas, on reste à votre disposition pour échanger si besoin. Donc, bah, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, mais Mélissa, juste une petite remarque. Donc, comme tu l'as proposé, moi, je propose que les personnes puissent réouvrir les micros ou alors c'est soit Mélissa ou Jean-Pierre qui ont la possibilité de réouvrir. Je voulais moi simplement savoir… Si certaines personnes qui assistent à cette présentation ont déjà assisté lors de conférences PC2A aux différentes sessions vernis que l'on a pu faire. Donc, soit vous répondez avec le chat, soit vous ouvrez votre micro, simplement pour voir si vous aviez déjà assisté et voir surtout de quelle manière on peut faire évoluer ces présentations, puisque en gros, une fois tous les 2 ans au moins, une fois tous les ans, on fait une thématique vernie que l'on fait bouger à chaque fois. Donc là, j'ai une réponse de M. Huch qui, lui, n'a pas participé. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a d'autres thématiques, d'autres points sur le vernis que vous aimeriez que l'on aborde? Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est une présentation vraiment très générique sur les vernis. Dans le cadre de PC2A, en fait, une fois par an, on fait quelque chose sur les vernis sur toute une journée et on vient monter en fait le degré de technicité chaque année. Hein, ça fait un cycle de 4 ans environ sur 4 séances pour devenir de plus en plus précis, pour entrer vraiment dans les détails de process, dans les détails de sélection de vernis. Alors, ce qu'on peut vous proposer pour ceux que ça peut intéresser, c'est que vous envoyez un petit message à Mélissa en lui demandant que lors d'une conférence PC2A orientée sur les vernis, bah, on puisse au moins vous inviter et que vous sachiez quelle est la thématique abordée. Oui, sachant que là, j'ai les coordonnées de tout le monde, hein, Jean-Pierre, donc il n'y a pas de problème.
Ok, très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ah si, je n'ai pas. Ah. Il y en a deux autres. Avec quelle référence de flux avez-vous des tests Bono? Alors, on a fait des tests. Alors, il y a eu des tests, alors ou chez nous ou ailleurs, qui ont été faits avec différents types de flux. Ce qu'il faudrait, c'est que le participant me contacte en dehors de la session pour qu'on regarde sur son flux particulier s'il a déjà été testé par un de nos clients ou des tests qui sont faciles à réaliser pour nous, c'est avec les flux de chez Inventec, parce qu'Inventec est un de nos partenaires et distributeurs, notamment sur l'Asie. Après, on a différents clients qui ont fait des tests. Qui nous ont fait faire des tests sur leur propre crème à braser. Mais là, que la personne qui pose cette question n'hésite pas à me contacter directement. Une question aussi, dans le cas de surmoulage de résine type polyamide ou autre sur PCB à des températures autour de 200 degrés, est-ce que le vernis va résister? Alors oui, parce qu'on a un temps extrêmement court, enfin, on va refroidir très très rapidement. Alors, par sécurité, on peut utiliser un vernis comme le SVP52 qui tient, lui, à 200 degrés en continu, 260 degrés en pointe. Une pointe, c'est considéré 3-4 heures. Donc là, mais un vernis comme la VR80, on a pu le vérifier même pour... alors, ce n'est pas sur du surmoulage, mais quand les gens viennent passer à la vague une carte, donc sur la face bottom, et qu'on a déjà verni la carte avant, donc on a une température sur les pins du connecteur qui peut monter à 150, 100, 160 degrés environ par conduction thermique, et on n'a pas du tout d'altération du vernis. Alors, j'ai Monsieur Huche qui a affiché un pôle d'intérêt. Par contre, s'il pouvait mettre son micro et exprimer son besoin, ce sera plus pertinent que je lise ce qu'il a mis. Bonjour. Bonjour. Maintenant, je me suis permis d'intervenir parce qu'effectivement, dans le cadre de mon entreprise, on réfléchit en fait à une matrice de choix pour sélectionner en fait un vernis en fonction des différents éléments qui sont présents sur les process d'assemblage précédents, le process de vernissage. Donc, on retrouve forcément des étapes de refusion, différentes crèmes à braser, avec ou sans plomb, donc différentes chimies de flux, hein, parce que les historiques, on va dire, sur les deux procédés d'assemblage ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas les mêmes fournisseurs de crèmes. Et derrière, on a aussi des fois un process de vague sélective, voire de robot en fait, de brasage. Et là, je me posais moi la réflexion en tant qu'ingé process sur comment choisir le vernis en fonction de tout ça. Parce que l'objectif n'est pas forcément d'avoir un vernis pour chaque application, mais éventuellement un vernis qui est commun à tout le monde. Donc, c'est ça que je venais un peu chercher dans cet échange-là. Donc, j'ai bien apprécié... l'aspect sélection, on va dire, en fonction des différents critères, parce que ça répondait un petit peu à mes questions. Mais je me rends compte que le sujet est quand même assez ouvert et donc moi, je suis intéressé là-dessus, en fait. Après, dans votre cas précis, donc vous avez sur votre carte différentes crèmes à braser ou différents flux. Le test, effectivement, idéal pour vous, dans le choix du vernis, c'est de prendre un vernis qui passe les tests Bono, puisque là, on va mettre ensemble les différents éléments et on va regarder comment ils se comportent ensemble. Donc là, c'est vraiment typique d'un besoin pour faire un test Bono. Et c'est un test que je vais devoir réaliser sur chaque type d'assemblage, quoi. Ben, si vous utilisez des assemblages différents à chaque fois, oui, en règle générale, chez un sous-traitant électronique, alors je ne sais pas si vous êtes plutôt bureau d'études ou autre, mais chez un sous-traitant électronique, en règle générale, ils ont une crème à braser, un flux. Ouais.
Et vous, effectivement, si vous avez à chaque fois des flux différents, des crèmes à braser différentes, oui, ça multiplie les tests. J'ai pas forcément des. J'ai pas forcément. Enfin, moi, je travaille chez Deltador, donc on maîtrise à peu près ce qu'on fait. Au niveau process, on n'est pas sous-traitant pur, mais aujourd'hui, on se pose la réflexion éventuellement d'un changement de vernis. La question se pose de comment le choisir, en fait. Non, mais j'ai bien apprécié. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai répondu en disant que moi, j'étais intéressé par ça, en fait. C'est pour ça. Après, forcément, c'est moi qui vais la construire. Et puis. Et voilà, mais j'ai eu les éléments en fait qui répondaient pas mal à mes questions en fait, dans votre présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, on travaille déjà avec vous sur des silicones. N'hésitez pas à nous contacter derrière pour qu'on approfondisse le sujet avec vous, ce serait avec plaisir. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question, quel cycle d'étuvage préconisez-vous avant dépose du vernis, et combien de temps avons-nous pour vernir une fois sorti d'étuve? Alors, si on souhaite enlever 100% de l'humidité, il faut passer 12 heures à 110 degrés. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué, d'autant qu'il y a certains composants qui peuvent ne pas résister à ces températures-là. Nous, pour toutes nos éprouvettes, et puisque tous les lots qui sortent de chez nous, on les teste, bien sûr, on teste leur adhérence avant de les envoyer chez des clients. Nous, on fait 4 heures à 80 degrés pour sécher nos éprouvettes. Hein, on va retirer 80-85% de l'humidité et on a de bonnes adhérences. Moi, je pense que j'ai répondu à la question. Alors ça, pour des cartes qui sont restées en atelier, en attente. Alors oui, si la deuxième partie de la question, c'était pendant combien de temps je peux vernir après mon étuvage, ben, je dirais maximum 2 jours. Si un jour, lors d'une production... Il y a deux tests très simples. Hein. Si un jour vous apercevez que vous avez des problèmes d'adhérence après la dépose de votre vernis, hein, dans les heures qui suivent ou immédiatement d'ailleurs, le premier test à faire, c'est reprendre des cartes, les sécher et ressouder vos composants, etc. et voir si vous avez le même phénomène. Si vous avez toujours le même phénomène, donc en prenant bien sûr le même lot de cartes nues, hein, si vous avez toujours le même phénomène, nettoyez votre carte nue. Déjà, ça vous permet de savoir si c'est dû juste à un problème d'humidité dans la carte ou s'il y a des résidus. Ça peut arriver sur des lots de cartes nues, hein, où il suffit qu'il y ait un mauvais rinçage après le passage dans les bains de galvanoplastie et qui vont limiter fortement l'adhérence, voire rendre l'adhérence impossible. Faites attention si vos fournisseurs, suivant les vernis épargne, alors il y a des vernis épargne qui apparaissent parfois sur le marché, alors en règle générale, ils disparaissent rapidement, mais il y a des vernis épargne qui ont des très mauvaises mouillabilités et on ne va pas réussir à adhérer dessus. Aujourd'hui, ben, les gros faiseurs, en tout cas, achètent beaucoup de produits de cartes nues sur la Chine. Le problème, c'est que les Chinois, ils ne donnent pas toujours toutes les informations ou ils ne préviennent pas forcément sur s'il y a un changement de vernis épargne. Alors, on voit que sur le marché, ces problèmes d'adhérence liés à des lots particuliers ou à des moments particuliers, c'est souvent parce qu'il y a eu un changement et que bah, l'utilisateur n'a pas été informé. On voit que ces vernis épargne, il y a des très mauvaises adhérences, des très mauvaises mouillabilités, ça se mesure aussi. Hein. Ils disparaissent de même du marché parce que alors, tous les clients ne vernissent pas, mais quand on a besoin de vernir, si on n'arrive pas à avoir une adhérence correcte, on change de fournisseur. Alors, quel est le vernis qui aura la meilleure adhérence à une résine dans le cas d'un surmoulage polyamide? Je ne sais pas. Là, il va falloir faire un essai. Sur un surmoulage polyamide, je ne sais pas vous dire. Là, il faut sur polyuréthane, sur époxy, oui, sur polyamide. Mais on peut, si vous avez des pièces, on peut vous appliquer des vernis
différents sur vos pièces et puis vous faites un test. Éventuellement ensuite une coupe pour vérifier la bonne adhérence des couches entre elles. Très bien, ben merci Jean-Pierre et puis merci aux participants. Alors juste un point, on voit que le vernis c'est quand même un métier qui a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. C'est pour ça que nous depuis maintenant de nombreuses années on fait avec PCE2A des thématiques. Mélissa va refaire un point avec vous d'ici quelques jours, petite enquête. N'hésitez pas à solliciter, mettre en avant ce que vous aimeriez voir, et nous, ça nous permet de nous orienter sur nos futures thématiques. Alors, j'ai juste une dernière question là, de voilà, Pascal Méré. Les quatre couches croisées sont faites consécutivement ou il faut sécher entre les couches ? Non, non, consécutivement. Consécutivement, je répète. Très bien, merci. Parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci, je répète, à ceux qui ont assisté. Merci surtout à Jean-Pierre, parce que